nous sommes animés par le sentiment de bien faire, il y a des considérations qu'on doit dépasser. J'ai entendu tout à l'heure, moi j'ai l'impression que Karim Wade c'est un beefsteak qui est dans la bouche de certains, et si qu'on leur arrache ce beefsteak là, il n'existerait plus ces gens là. Nous n'avons jamais dit que nous étions contre la reddition des comptes. Le PDS n'a jamais dit ça. Mais la reddition des comptes n'a rien à voir avec l'enrichissement illicite. La reddition des comptes consiste... C'est ce que je dis. Non, vous faites référence à Napoléon. Laissez-moi finir. Personne ne me coupe. Il fait référence à Napoléon. Mais Napoléon, c'était un roi. Vous faites référence à Ladjor. Ladjor, c'était un roi. On a des républiques actuellement, des présidents de la République régulièrement élus, démocratiquement élus, et qui sont censés appliquer la loi dans toute son légalité, sans équivoque. Macky avait fait une liste de 25 personnes pour dire que ces gens se sont illicitement enrichis. Vous savez, moi je connais Karim Wade pour l'avoir pratiqué. Karim Wade a fait l'objet de 5 inspections d'État. 5 inspections. De 2009 à 2012, Karim Wade était le seul ministre, excepté Djiboka, qui en avait subi 4. Karim Wade a fait l'objet de 5 inspections d'État. Allez dans les archives. Mais pourquoi Macky Sall, quand il est venu, avec le livre de Abdou Latif Koulibaly, sur les chantiers de l'ANOSI, s'il voulait avoir vraiment, montrer aux Sénégalais que Karim Wade s'était illicitement enrichi, il aurait dû évoquer le cas de Latif Koulibaly. Mais parce qu'il sait que, Macky le sait, Karim Wade n'a rien à voir avec les deniers publics. Mais il a déterré une cour qui n'est rien d'autre que ce qu'un instrument de destruction politique des adversaires politiques. Ils ont fait des commissions rogatoires à travers le monde. Ils n'ont trouvé aucun sou. Moi, je suis d'avis. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Dites tout ce que vous voulez, ça ne nous épargnera pas ou ça ne nous détournera pas de notre objectif. Nous sommes d'avis, plus qu'aujourd'hui, que Karim Wade était un prisonnier politique et que sa libération, je vais vous le dire, sa libération n'a rien à voir avec la pression de la classe maraboutique, parce que Macky Sall ne respecte pas les marabouts, il avait dit que c'était des citoyens ordinaires. Sa libération est tout simplement le fruit de l'application de la décision du groupe de travail. Maintenant, le combat il est politique. Nous savons ce que nous faisons. Si les gens veulent un débat politique, ça nous sommes dans un cadre qui est quand même extra politique. Il y a des partis politiques, il y a la société civile, il y a des gens qui ne sont d'aucune formation politique, qui ne sont même pas de la société civile. C'est le Sénégal. Effectivement, moi je pense que cette question de soutien ou de mise sur pied d'une structure chargée de défendre les valeurs et nos deniers publics doit transcender la personne d'Ibrahim Sonko. Parce que nous avons Ibrahim Sonko, c'est 2 milliards. Ousmane Sonko, vous savez que les exonérations fiscales cette année a coûté 120 milliards au commandant dans les caisses de l'État. Donc ça c'est un problème. Le colonel, l'inspecteur de police, Cheikh Ouma Keïta, mais il avait dénoncé un problème de drogue dans la police. Et n'oubliez pas que c'était le directeur de la police qui a participé financièrement à la campagne de Macky Sall, qui était le directeur de la police. Moi, je pense que j'ai l'impression que ces anciens assisards, s'il vous plaît, laissez-moi finir, ces anciens assisards ont épuisé la faculté d'indignation. Parce que tout ce qui se passait, tout ce qui se passe actuellement sous le régime de Macky Sall, mais on n'a jamais vu une gouvernance aussi périlleuse que celle de Macky Sall. C'est ce que je voudrais dire. Si j'ai offensé certains, que je m'en excuse.